Hey, je suis de retour pour plus de Monster Hunter Freedom Unite! Et aujourd'hui, on tue un fucking Fatalis White, blanc! C'est la première fois que je le chasse! Blink, 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 blink. C'est pas vrai! Tout le monde sait que c'est pas vrai, c'est, je pense que c'est la troisième fois que je le recommence! Pourquoi? Parce que ça allait bien! C'est la raison, c'est la seule raison pourquoi je recommence, ça allait bien! Quand ça va bien... Ben... Pas capable de finir, c'est trop triste. Mais sacrément, je suis pas capable de faire une quête qui... d'enregistrer comme du monde une quête qui va bien, j'ai aucune idée. La première fois, le son était pas entendable. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de faire des commentaires par après, mais je fais toujours des commentaires en direct. Toujours! À part au début quand je pouvais pas. Mais je veux faire mes commentaires en direct. Et le Fatalis blanc, il part tout de suite en s'en allant. Non! Yes! C'était mon but. Qu'il s'en aille pas en le disant, puis ça marche. Ah non, je vais me faire électrocuter très en partant. Non! Hey, faut que je le dise, qu'est-ce qu'il faut pas qu'il se passe. Fait que j'enregistre pas en ce moment. Yeah! Comme ça, ça va marcher. Mais enfin, bref, le Fatalis blanc est faible à la tête. On peut briser ses ailes, sa face et son torse, comme qu'on peut voir son torse est brisé, je crois. Et on peut... ben, on peut pas. C'est son élément qui est faible à... Et l'élément de dragon, oui! C'est une grande surprise, surtout si vous avez regardé les autres vidéos de Fatalis Noir et Fatalis Rouge. Parce que c'est les mêmes maudites choses. Sauf que lui, il est blanc, puis une barbe. Puis il fait chier, le trois quarts du temps. Mais jusqu'à présent, il fait pas chier. Fait que on se plaindra pas trop. Et il y a un excellent moyen de le tuer pendant que dans son... Ah oui, il faut que je parle de ça. Parce que j'ai tellement parlé de tout, que je pense que j'ai parlé de tout. Mais dans le fond, j'ai jamais parlé de rien. Vu que vous l'avez pas vu, vous autres. Mais je n'ai déjà parlé. Vu que c'est la troisième fois que je le fais. Mais enfin, bref. Fatalis... Il est à 20% de sa vie en ce moment, le Fatalis blanc. Comme toutes les autres Fatalis que j'ai faites. C'est-à-dire les deux autres. Ah, oh, j'étais pas bien orienté. Juste d'une chenoute. Parce que il a fallu que je me bloque à l'arrière, à place de à l'avant. Ou que je me déplace un petit peu plus vers l'arrière. Mais enfin, bref. Comme j'aurais pas de dire. Bref. Ouh, ah, ça s'appelle de la chance. Et ça s'appelle aussi une vidéo réussie. Est-ce que si je meurs une fois, ça veut dire que la vidéo s'enregistre? Très bien. Et je regarde l'écran, tout a l'air bien. Mais comme les deux autres fois, tout avait l'air bien. Ben, à la place de parler de ça, on va parler de Porsche Max. Puis on va parler de... Où es-tu? Où est la drogue? Où est la drogue? Ah, elle est là. Je pensais qu'il aurait fallu que j'aille voir mon petit dealer. Mais mon petit dealer, il est en train de cueillir son herbe en ce moment. Oui, il est tout content d'avoir cueilli sa drogue. Bon, on va... M'envoie-tu à la bonne place, là? Je suis tout perdu. Je suis tellement content de la refaire pour une 150e fois. Mais en vrai, ce que je voulais dire depuis tantôt, c'est que... Ouch. Quand on commence la bataille contre le Fatalis, il n'y a pas cet air-là. Il a l'air un petit peu plus blanc. Ouch. Il aime ça me fouetter avec sa queue aussi. Il est plus blanc parce que là, il est dans son mode rage. À partir d'un moment, il est toujours en mode rage. Lui aussi, je pense, à partir de son mode armure, il est tout le temps en mode rage ou quelque chose dans le genre... Je suis pas trop sûr, parce que son mode armure, c'est le plus menaçant de tout ce qu'il a. Fait que, quand on arrive à 50% de sa vie, il tombe en mode armure. Jusqu'à temps qu'on le rende à 20% de sa vie. Il est en mode armure pendant 30% de sa vie, dans le fond. Et ça veut dire qu'on fait quasiment deux fois moins de dommages. Je pourrais dire que oui. Ça, c'est si vous avez psy, puis que vous n'êtes pas affecté par le rebond que ça fait. Parce que sinon, vous êtes affecté par le rebond. Moi aussi, je veux mes Mega Potions. Vite, j'en ai besoin. J'en ai toujours besoin. Faut pas que vous m'enlevez mes potions. Non, non, non. Ce n'est pas une attitude de drogué. Et je me fais électrocuter par la première affaire. Et comme je l'ai dit, ça a l'air d'aller très bien. Fait qu'on va réussir la quête sans aucun problème. Non, non, ne me fonce pas dessus. Mais enfin, bref, pendant qu'il est dans son mode armure, c'est-à-dire aussitôt que vous avez fait la moitié de sa vie, le meilleur moyen de l'enlever de son mode armure, en fond, c'est de le dommager. Ha, 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 derp, derp, derp. Ça veut dire d'utiliser des bombes. Bombing Run. Et si je m'en rappelle bien, faut que je me fie à quelque chose pour savoir où c'est qui. Je sais que ça en va. Oh oui, c'est ça, j'en ai pas parlé de ça non plus. Quand j'avais mentionné les là très longtemps, que je m'en rappelle quasiment plus, que le Fatalis blanc m'avait donné beaucoup de troubles quand que je l'avais tué, j'avais descendu son énergie à 20%. Il est allé sa tour 7 fucking soit fois de suite. C'est-à-dire que quand il revient, il repart tout de suite puis s'en va sa tour. Il l'a fait 7 fois de suite.
et c'est tellement dur à éviter cette attaque-là, vous avez vu, j'ai même pas bougé puis je l'ai évité. Je suis pro. Bon. Et c'était juste ça, je pense qu'il arrive ici. Tiens, on va mettre des bombes ici. Il me semble que c'est direct ici qui arrive. Oh my god, que je suis pro des fois. Mais là, le problème, c'est de sauter au travers du vent et d'aller poser ma bombe. Est-ce que je vais être capable de faire ça? La réponse, tout de suite. Ah, la réponse était non. Mais vite, 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 pose les bombes. Explose dans sa face. Yes! Tellement satisfaisant que ça y explose dessus. Et je suis satisfait à partir de maintenant. Oh mon salaud, comment oses-tu sacrer ton cap de même? Fait qu'on sait que les bombes, faut les placer ici. Et il s'en va vers là-bas, fait qu'on va les placer tout de suite, pourquoi pas. Plaçons nos bombes un petit peu partout. Chat, place tes bombes. Ah non, je suis innocent, parce que les éclairs peuvent les faire exploser, fait que... On va voir si je suis chanceux. Explose. On va tourner en rond, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas gâcher du temps en tournant en rond. Oh, ils ont explosé à première éclair. On dirait que... me fait troller par le jeu. C'est bon signe normalement. Parce que je suis pas capable de faire une vidéo de Monster Hunter Freedom Unite et de Shadow of the Colossus sans que quelque chose aille mal en enregistrant. Sinon, il y a quelque chose qui va mal quand même. C'est obligé, obligé. Fait que ça va bien pour quelque chose qui va mal. Fait que c'est pas bon signe non plus. Mais je suis mort une fois, ça c'est bon signe. Très bon signe. Et je devrais faire... Faut que j'attende que je voie le vent, je pense. Du vent, go! Yes! Espérons. Je suis pro des fois avec le timing. C'est juste de la chance. Non, c'est juste parce que je l'ai tellement fait de fois qu'à un moment donné, c'est un petit peu naturel que tu le saches. Ouch. Et la raison pourquoi je m'en allais en arrière de lui, c'était pour pouvoir aiguiser mon arme et je sais pas si je vais réussir. Et oui, réussi. Non, tu me pognes pas parce que je suis capable d'éviter avec évasion plus 1. Je pense que c'était évasion plus 1 que j'avais. Oh. Toi aussi, t'es capable de me pogner avec ton talent. Champ de force plus 1. Ok, c'est pas comme le Crimson Fatalist. Je me suis pas fait pogner par après. Oh là, je me fais pogner par exemple. Mais j'ai en masse de passion pour ça et... on l'a en masse buté pour le ça. Parce qu'il doit être déjà en veille de mourir. On a fait cette attaque-là. Il fait très rarement cette attaque-là. Il l'a fait deux fois jusqu'à présent. Je suis étonné. Très étonné de ça. Ah, il sacre son camp. Ça, il aime ça. Il sacre son camp de main. Puis je ne suis pas étonné qu'il l'ait fait. Pantoute. On va garder notre dernière bombe pour la faire exploser. Oh non, 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 non. Il fait son attaque super. Nice de me donner des coups gratos. Tiens, mon cher. Tiens, mon cher. Non, non, non. Fonce-moi pas dessus, please. Si on reste devant, c'est sûr qu'on se fait pas pogner par ces éclairs. Il n'y a jamais des... Comment... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mon gars, j'ai prévu 25 minutes pour la quête. Si ça prend moins de 25 minutes, je pense que ça veut dire que la vidéo s'enregistre pas. J'arrête pas de le mentionner, mais je commence à le croire pour vrai. Moi, à chaque fois que ça va bien, je suis pas capable de l'enregistrer comme du monde. Fait que coudonc. Puis j'ai aucune raison, j'ai pas trouvé la raison pourquoi mon micro a diminué le volume à fond de ma voix pendant que j'ai enregistré la dernière fois. J'en ai aucune idée, c'était quoi le problème. Et je sens que je le saurai jamais parce que mon ordi est assez bizarre. Oui. Non! Comment oses-tu essayer de me pogner avec ton attaque qui peut pas le pogner quelqu'un? Non! Hein? Dommage que mon chat s'est mort et que des chiens qui sont en train de japper comme des fous. Oh non, mon chat est revenu à la vie. Oh, je peux encore faire ça. Go, go, go. On le sait exactement quand le faire maintenant. Vu que je l'ai trouvé tantôt. On attend patiemment. Concentration. Go! C'était parfait. Je peux... Never mind. C'était pas parfait. Pantoute, j'étais trop proche. Oh! J'ai besoin. J'ai besoin de mes méga juice. Je suis en train d'en manquer. Ah, fait du bien. Go. Comme qu'on peut voir, je prends la bataille contre un fataliste très au sérieux. Surtout que c'est plate à mort. Faire une bataille contre un fataliste, et je vais me faire probablement électrocuter. Yeah! Pour savoir l'avenir, sans savoir l'avenir. Et je vais me faire frapper. Coup de patte. Non? Tu te sens généreux aujourd'hui? Ok, je me fais pas frapper si je tire parce que l'éclair... Ah oui, je l'ai pas mentionné ça non plus parce que j'ai jamais parlé en vidéo. Les patterns de les éclairs sont faciles à deviner. Ben, pour quand on est autour de lui, pas pour le loin, parce que ça vaut... Ben, si t'es un gunner, ça vaut à peine de savoir le loin, mais pas quand t'es au corps à corps. Comme là, il a frappé l'autre bord, il frappait de ce bord-là automatiquement. Fait que si il y a pas d'éclair au début de son attaque, automatiquement, il y aura pas d'éclair après. Fait que si vous faites pas frapper au début de son attaque, ben, vous ne faiserez jamais frapper. Si vous êtes au corps à corps, évidemment, il fait ta face sourire. Ah, il fait sa face de tarder, lui aussi, quand il descend. Fait que...
Fais-tu ta face d'attardé? Non? Oui, il fait sa face d'attardé, son point faible, sa face, comme je l'avais dit, j'imagine, et je fais aussi... Je fais la même maudite erreur de penser que j'ai dans Portable Third, sauf que j'ai joué hier à Portable Third. Quand j'avais vu que ma patente ne marchait pas, j'ai rejoint les personnes sur Kai. Qui savent qui ils sont. Oui, vous savez qui vous êtes. Mais... enfin, bref. C'est juste ça que j'ai fait. Parce que Fatalis Blanc ne veut pas s'enregistrer. Et disons faire deux Fatalis de suite. C'est-à-dire drainer leur vie jusqu'à temps que ça aille à 20%. C'est assez long et très, très, très endormant. Ah non, il m'a empêché de faire mon autre coup de schnapps. Très, très, très endormant. Extremely endormant. Oh, je suis dans le bleu. Fait que quand je suis dans le bleu, moi, généralement... Non! Ok, sa queue m'a pas pogné. Pour une raison, je pensais qu'elle allait me pogner. Pourquoi je m'en vais? Je sais pas. Oh, parce que j'ai eu une bonne idée de m'en aller. Go! Il va se tourner. Soit qu'il va rien faire. Soit qu'il va se tourner encore, soit qu'il va faire une attaque. Pourquoi? il veut vraiment me tuer, ça n'a aucun bon sens. Il le fait souvent à côté de lui. C'est rare qu'il fait ça de même. Oh, il fait une belle attaque de boule de d'éclair. Parce que c'est pas des boules de feu, c'est des boules d'éclair. Parce qu'il y a une barbe. La seule raison pourquoi il fait des boules d'éclair, parce qu'il y a une barbe. Puis tout le monde sait qu'une barbe blanche égale éclair. Fait que le Père Noël peut lancer des éclairs. Oui, en effet. D'après la logique. D'après n'importe qui. Quelle logique! Bar. Ok, fait que tu vas me donner un coup de griffe? Non! C'est étonnant! Il va sacrer son camp parce qu'il a l'air de voler encore plus haut. Non! C'est parce qu'il s'est tourné de bord pour viser mon chat qui n'est plus sur l'arène en ce moment parce qu'on va dire que c'est une arène. Il fait sa face d'attardé, il fait sa face d'attardé, il fait sa face d'attardé. Non! J'ai fait mon attardé, j'ai fait mon attardé. C'est bien faire son attardé. Go! Une fois de temps en temps, c'est bien, mais toujours, non. Malgré que... Wouh! Wouh, c'était très deep, ça. Ça a un sens croche aussi. Ok, il n'y a pas d'éclair. On peut faire notre charge et... Drop your health, dear fucker. Ah, j'ai tellement hâte que tu sois mort, parce que là, ça fait... Je ne te rechasserai plus jamais, je pense. Parce que ça fait tellement longtemps. Qu'on l'a eu. Mario! On va parler de 3G, pourquoi pas. Oh, il s'en va là-bas. Ça, c'est une autre attaque. Et, il n'y a pas grande différence avec les autres fatalistes. Mais enfin, bref, enterrons ça avec notre voix grave. Qu'est-ce que je voulais parler de 3G? Oh, il nous charge dessus. Ça, me semble que j'avais jamais fait ça. À un moment, il crache des boules de feu, puis il gâche juste temps. Mais, coulons. Là, eux autres m'ont tous déconcentré. Mais coulons, c'est pas grave! Parce que je parlais de 3G et que je voulais dire qu'il était sorti au Japon en ce moment pendant que je fais cette vidéo. Et que pour le moment, il n'y a toujours rien de prévu. Ben, j'ai pas vraiment regardé aujourd'hui s'il y avait quelque chose de prévu pour ailleurs dans le monde. Mais pour le moment, c'est Region Lock. Ce qui veut dire que vous pouvez pas jouer sur une 3DS européenne ou américaine. Faut que vous ayez absolument une 3DS japonaise. Pour pouvoir jouer à 3G sur 3DS. Qui a beaucoup d'additions. Mais, pas beaucoup d'additions si vous avez, ben, non. Il y a beaucoup d'additions, mais pas beaucoup en même temps. C'est parce qu'ils réutilisent beaucoup de choses qu'ils considèrent comme nouveau pour Tri, mais qui est pas vraiment nouveau pour certaines personnes qui ont joué à d'autres jeux. Mais enfin, bref, si vous avez juste joué à Tri et que vous avez une 3DS, ou que vous avez juste joué à Freedom Unite et Tri et que vous avez une 3DS, ben, enfin, bref, j'espère que ça va sortir... ailleurs dans le monde. Pour le moment, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, fait que c'est bon signe normalement quand il y a des rumeurs qui circulent. Parce que Tri, par exemple, il y a eu beaucoup de... Parce que Tri, au début, c'était exactement comme 3G, by the way. Il était pas... Capcom ne parlait pas de le sortir ailleurs dans l'Ouest, ou en Europe, ou dans l'Ouest, ou n'importe où. Partout dans le monde. Et finalement, il est sorti partout dans le monde. Et Takamo, il a été, pour un Monster Hunter, il était quand même assez populaire ici, comparé au premier Monster Hunter qui a été totalement mal reçu, mauvaise critique, tout le kit. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Il danse en haut. Mais enfin, bref. Fait que, jusqu'à présent, il est pas annoncé, mais il y a des chances qu'il s'est annoncé. Surtout qu'il vient avec un attachment, un nouveau joystick, supposément. Fait que, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Moi, je dis que pour le moment, je croirais qu'il sortirait ailleurs. Sauf qu'il y a des chances qu'il sorte pas ailleurs. Fait que pour le moment, juste ça au Japon, rien de confirmé. Il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il venait en Europe. Mais ce n'est que des rumeurs.
On peut pas les croire. Malheureusement. Mais enfin bref, on va arrêter de parler de ça. Parce que... Mais qu'on sache... Mais c'est ça qui est plate un petit peu aussi. Parce que... Bien souvent, les développeurs vont même pas confirmer qu'ils viennent pas ailleurs dans le monde. Fait que on le sait, on le saura pas avant des mois s'il vient ou pas, s'il confirme pas. C'est ce qui est bien plat. Et non, mon cher, arrête de te spammer ce move-là. C'est supposé de le pogner, ça l'a pogné, on l'a vu bien comme faut. Yeah! Ah, on est rendu à 10 minutes. Oh, il est loin d'être mort, il est loin d'être mort. Mais peut-être... Oh, ouais, c'est ça, faut que je dise ça, oui, c'est vrai. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un éclair. Non, il n'y a pas eu d'éclair. Nice. Non, 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 tu me pognes pas. Ah non, c'était son armure. Quand il est fruit, il y a de l'électricité aussi autour de lui, puis sa face, elle devient rouge. Parce qu'au début, sa face est blanche. Toute blanche. Comme tout lui. Parce qu'il aime ça être blanc, raciste envers les noirs, les rouges. Maudit fataliste. Il est juste vieux. Ah, c'est pour ça qu'il s'en va en hausse, parce qu'il... Puis il prend un break, puis il nous garoche des éclairs qui sortent de nulle part. Comme le fataliste rouge qui fait sortir des boules de feu de nulle part. Toujours est-il, sauf que des nuages ici, ça peut être plus plausible que... Ton toit. Merci que le fataliste rouge. À moins qu'il contrôle les boules de feu de volcan. Mais coulons. Faut pas toujours croire qu'est-ce que le fataliste... Mais c'est un jeu vidéo, je sais, bon, je vais juste niaiser. Bam, pour tous ceux qui étaient... très concerné pour ma santé mentale. C'est ça que je dis. Et mon Dieu, que tu as une barbe. Je fais tout le temps lisse. Enfin, bref, on va essayer de changer de sujet. De fataliste. On va parler de chat. Maudit chat. On va pas regarder. Ça va nous donner du challenge pour éviter ça. Ouh! Oh, Mega Juice. Mega Juice. J'ai besoin de Mega Juice. Un chat. Qu'est-ce que les chats font? Ils vont chercher de la drogue. C'est ça qu'ils font. On l'a vu tantôt, il l'a prouvé, vous pouvez pas dire le contraire. Ouch! Ouch! Ok, faut que je recharge mes munitions. Non, 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 pourquoi j'ai rechargé mes munitions? Là, j'en ai aucune idée. Poudre de vie. Si j'en prends, est-ce que je vais avoir plus de vie? Non. C'est seulement une poudre de la vie. Tu peux-tu, s'il te plaît, arrêter de faire cette attaque-là? Parce que ça me fait peur. Puis elle fait extrêmement fort pour rien et j'ai beaucoup d'armure. Mais j'ai de la résistance moins... à l'électricité, puis ça me tue pas, ça me one-shot pas. Fait qu'il est faible, moins 2 par fois 5, ça fait moins 10, fait que j'ai moins 10 de résistance à foudre. Oui, je sais compter, je sais... Aïe, down, je sais me faire piétiner aussi, je sais me faire piétiner, go. Thank you, on va prendre une potion. Aïe, aïe, ça va faire mal de se faire piétiner à mort. J'ai hâte que tu sois mort, honnêtement. Non, je vais me faire électrocuter. Non! En tout cas, il a essayé, c'est pas qu'il a pas essayé. Plus 10 points pour avoir essayé. Fuck! Oh, il y a une bombe qui explose là. C'est bien. Il est reparti dans les airs. Au moins, il va pas sur son pilier de la mort où c'est qu'il fait absolument rien pendant 5 minutes. Il l'a fait 7 fois de suite. Je vous le dis, 7 fucking fois de suite. J'ai failli tomber endormi. Je trouve que c'est une petite stratégie que les fatalistes ont toutes. Que les fatalistes blancs sont toutes données à l'école des fatalistes blancs. Ils ont appris à se faire pousser de la barbe à l'école des fatalistes blancs. Ils ont appris à contrôler l'électricité. Et surtout, ils ont appris comment endormir un chasseur. C'est leur cours, c'est qu'ils sont le plus pro dedans. C'est-à-dire, aller sur un pilier puis rien faire là. Ils ont aussi appris le sadomasochisme. C'est pour ça qu'ils essaient de me fouetter justement avec sa queue en ce moment. Ok. Je pense que c'est en train de dérailler un petit peu. Juste un peu. Oh, je suis rendu à la Sharpness Bleu. J'aime pas le bleu, fait qu'il va falloir aiguiser ça. Mais là, je veux faire mon Wyvern Fire, appelez ça comme vous voulez. What the fuck, je m'en sacre. Comme s'il y avait des personnes qui essaieraient de me corriger là-dessus, mais je me corrige tout seul. C'est pour ça que personne ne me corrige. Bon. Oh, les bombes. J'ai toujours pas besoin de juice. Bon, en tout cas, je l'ai aiguisé vu qu'il a monté. Ah non, non, non. T'as pas besoin de te rappeler de ton cours de sadomasochisme. Ce n'est pas une affaire que j'aime. Non. Laisse-moi en paix. Crie, c'est ça. Comment crier aussi? Ça faisait partie de leur cours. Comment faire perdre le temps d'un chasseur? Crier sans arrêt, ça ou tout, là. C'est la deuxième étape. En fait, c'est la première. La deuxième étape, c'est comment aller sur un pilier le plus lentement possible et de faire une attaque
le plus lentement possible et de redescendre le plus lentement possible. Je peux te dire qu'ils savent bien comme faut. Parce qu'on peut quasiment faire le geste exulté. Voyons, donc je sais plus c'est quoi, je les utilise tellement souvent, ça n'a aucun bon sens. On peut le saluer, tiens. Salut! Ah, c'était cette animation-là. Fuck that. Ouh, l'électricité. Dormons ici sans arrêt. Oh, c'était où? Fallait que je mette mes bombes déjà. Wow! C'était pas là, en tout cas, mais je pense qu'il voulait pas que j'aille proche d'ici. C'était ici. Yeah! Pour avoir juste une bombe qui va faire moins de dommages que mon... Oh! Oh! Ça me donne une autre idée, ça. Une idée ingénieuse. Pas vraiment. C'est une idée logique. Point. Ah, fait qu'il faut que j'aille un petit peu plus vers ici, mais pas trop vers ici. Ça fait du sens. Comme ça. Comme ça, je pense que je serais correct. Oh oui, oh oui. Souffre, souffre, petit fataliste blanc, parce que tu me fais perdre du temps, ça n'a aucun bon sens. Comment tu m'en as fait perdre? J'ai perdu au moins... Ouch! Au moins 4 heures juste pour toi, à rien faire. T'es pas obligé de cracher dans les airs non plus. Ce n'est pas très propre. Malgré que j'arrête pas de cracher dans la PSP. Oh! Perdu du temps, 101. Perdu du... Tu l'as bien appris ton cours, je peux te le dire. Je te donne un gros 100%. J'aimerais ça que t'aies 0% dans ce cours-là. Mais coudonc. Un petit 25%, c'est trop demandé. Ah! Ah! Au moins ça, c'est un petit peu plus divertissant. Que... Oh, il essaie de me fouetter. Rrr. Oh, j'ai dit que j'aimais pas ça. Oh, faut que je le cache. Chut, chut. Oh, mon cher, je t'ai pas brisé tes cornes. Parce que, tiens, qu'un gros salaud. C'est le Père Noël du monde de Monster Hunter. Fait qu'on a tué le Père Noël du monde de Shadow of the Colossus. Puis on est rendu à tuer le Père Noël du monde de Monster Hunter. C'est-tu le fun? Malgré qu'il y en a plein de fatalistes, il y en a à l'infini. Puis on se bat contre un pendant des heures et des heures et des heures sans arrêt. Comment osais-je? Ah non, j'aime pas la couleur bleue. Vite, allons changer ça. Mais pourquoi pas te mettre une belle bombe entre les jambes? Ça l'a surtout pas pogné, c'est ça le plus important. Je voulais pas que ça le pogne. On va aller à une place random ici. Je regarde pas pantoute qu'est-ce qu'il fait. Oh, il est après mon chat, ça tombe-tu bien? Et je devrais être en manque de jus bientôt. Make a juice, make a juice. J'aimerais ça que tu meurs, ça fait 20 minutes. Plus de 20 minutes, je sais plus. Je suis en train de perdre la notion du temps. Meurs! Ok, il est pas mort, mais il doit être aveugle. Je peux le dire qu'il est aveugle. J'ai besoin de jus, j'ai besoin de jus. J'ai besoin de jus au plus sacré. Jus, jus. Ah... Ah, fait du bien. Bon, fait que je ne suis pas drogué au jus. Non, jamais. Oh, mes oreilles. On le sait que t'as pris ton cours, t'es pas obligé de nous le montrer. Oh, ça a dû faire mal, ça. J'aurais pas de dire ça, mais c'est pas grave. Un autre preuve qu'il a appris son cours, ben comme faut. On a des bruits de fond, comme toujours. Non, l'autre bord. C'était pas de ce bord-là que je voulais me tourner, mais ça fait pareil. C'est pour ça que tout le monde adore l'analogue du PSP. Oui, c'était du sarcasme. Je me suis pas tourné de ce bord-là, mais c'est pas grave. Deux fois égale 95% sûr que la vidéo va réussir. Puis si je suis proche de mourir pour une troisième fois, ça veut dire 100%, c'est sûr. Mais si je meurs trois fois, c'est automatiquement un faux. Sauf que ça me tente pas de recommencer, moi, si je meurs. Parce qu'il recommence avec son 20%, même si on meurt, et aussitôt qu'il y a 20%, il récupère 20% de sa vie. Bon. C'est ça que je veux dire. Oh! On est sur le bang. On est dans le bang géant. Puis on sait tous que le Yamatsukami, c'est le trou de bang. Mais enfin, bref. Bonjour, Fatalis. Je sais qu'il te reste 10 coups. 1, 2, ouch! 3. Ouch. 4. Ouch. Ah non, il m'a pas pogné ce coup-là. Non. Comment oses-tu? Combo Breaker. Non. Ok, je pensais qu'il criait. Mais ça fait pareil. Petit chat, t'as manqué ta shot avec ta bombe. Tu mérites un coup de pied dans la face. Non. Ok. Relève-toi là que je te donne un coup de pied. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Merci, mon petit chat.
Ok, bon. Et il ne reste plus qu'à sauter en Superman. I'm Superman! Je pense que lui a passé à 100% son cours de gâchons le temps d'un chasseur. Mon petit chien sale, comment oses-tu garocher des boules d'électricité dans les airs? On te croirait un lagiacross, sauf que tu n'es pas sous l'eau. Fait que ça fait un petit peu plus de sens qu'un lagiacross, mais c'est pas grave, c'est un jeu vidéo. Ah ouais, arrête de faire ta face de tarder puis de descendre qu'on en finisse. Non, je vais pouvoir utiliser mon Weaven Fire. Fireball! It's a me, fucking Fireball! It's a me, fucking stupidos. Ah non, s'il te plaît, j'aurais dû pas faire le stupide pis pas foncer dedans. Mais honnêtement, qui ne le faisait pas après avoir rien fait pendant 5 minutes pis qui arrive à terre? Tu veux tellement le tuer que tu fais n'importe quoi? Et évidemment, c'est ça qu'il espère. Après ça, il retourne là pis il va gâcher du temps. Pis nous autres, on va dormir dans notre petit coin. Je n'ai plus de bombe parce que je n'ai pas apporté les choses pour faire des combos. C'est parce que je voulais juste une bombe. Ce n'est pas ça que je faisais normalement. Mais coudon, on va danser avec notre chat. On pourrait quasiment danser. Y a-t-il un geste pour danser dans celle-là? Non! Secouons! Shrugon. Ah, schnapps. Est-ce que tu vas finir par descendre, maudit fataliste? Là, je suis prêt. Je suis prêt avec mon Weaver and Fire. Non, je suis trop proche. Aussitôt qu'il y a du vent, on tire. Vent! Tirons! Haha, salaud! Ça fait du bien. Ça fait très du bien. Sauf que t'es pas mort. Fait que ça fait pas du bien. Parce que là, t'es plus long que le fataliste normal. Et évidemment, ça me prend du temps. Et il a pas été coopératif dans les dernières 5 minutes. Ah non! Savez-vous quoi? Il y a du bleu! Ok, j'étais pas sûr si j'étais trop loin ou, ben, si j'étais pas assez loin. Excusez-moi. Avance pas, mon cher. Ce n'est jamais la bonne chose à faire, ne pas avancer. C'est le numéro 1 de la logique. Oh! Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait cette attaque-là. Quand il fait un pas à gauche, un pas à droite, ça veut dire qu'il va te donner un coup de griffe. Et ça m'a l'air que ça y tentait pas de le finir son attaque. Et là, oh oh, éclair, j'ai pas de son. En passant, normalement aussi avec le son, on peut entendre si ça va nous frapper ou pas. Parce qu'on peut entendre avec des écouteurs, plus avec des écouteurs. Parce que si vous avez pas des écouteurs, vous pouvez pas vraiment dire où c'est que les éclairs tombent. Mais avec des bons écouteurs, vous pouvez savoir où c'est que les éclairs tombent. Et ça l'aide énormément, étrangement. Parce qu'ils ont fait une bonne job avec les sons. Faut pas que je meure, parce que si je meurs, faut que je recommence pour une millième fois. Et je ne suis pas encore mort 3 fois contre le fataliste blanc, fait que je ne voudrais pas qu'une première serre sur une vidéo, parce que ça me tente pas de recommencer. Est-ce que je devrais? Non, faut que je le tue, je suis obligé de le tuer. Sinon, ce n'est pas une vraie vidéo. Oh, il est mort en plus, il me restait un coup. Comment ose-t-il me faire croire que je vais mourir? Ah ben j'ai failli mourir, c'est pour ça! Fait que la vidéo est probablement enregistrée. Et tout parfait, et ta langue est bizarre comme ça. Aucun bon sens. Enfin bref, on peut dépasser ses jambes, ses bras et sa tête. Je sais pas si je l'avais dit. J'ai comme l'impression de l'avoir dit. Mais enfin bref, j'arrête pas de dire enfin bref, on a les fatalistes. Aimez-vous ça, entendre ma proche voix? Ça fait bizarre de dire proche voix, parce que ça me tentait de dire proche voix. C'est pas vraiment sensuel comme ça. Non. Ça l'est pas. Non, personne comprend qu'est-ce que je dis. Non. Ok, fait que... on a enfin fini les fatalistes blancs. Je sais pas pourquoi je dis enfin, je suis même pas sûr à 100% que je l'ai fini encore. Mais vu que ça a été relativement mal, je dirais que oui. Two thumbs up. Yay! Oh non, garage pas ta PSP à toi. À toi. Maudit stupidos! Fait que les fatalistes sont finis. C'est des monstres très endormants à faire. À part le fataliste noir, c'est le fataliste... Ben, honnêtement, ils sont plus fun à faire à plusieurs. Tout seul, ça vaut pas vraiment la peine. C'est mieux à plusieurs, surtout si c'est plusieurs personnes qui prennent pas le jeu au sérieux autant. Qui jouent pour avoir du fun, pas pour être pro. C'est mieux jouer avec des personnes de même en général, à mon avis. C'est sûr que si tu... tu t'arrêtes pas de tuer un monstre de plus en plus, c'est sûr que
C'est le fun que ça se finisse plus vite, mais enfin bref, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et bye bye!